Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas comme pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Tuffy Tuff et je vous propose une émission qui s'appelle Juste une vie. Alors c'est parti, on va faire l'épisode 2 de Guacamelee. Ah, ah mince, j'aurais dû appuyer sur start avant. C'est pas grave. Donc c'est parti, Guacamelee. Ah, toujours avec cette superbe musique. C'est parti. Or continuez, donc on doit aller sauver la fée del Presidente. Et donc on va reprendre, ouais, sauvegarde automatique, c'est tout bon, j'en étais là. Oula, c'est un poil fort pour moi. C'est un poil super fort, pardon, pardon. Voilà, c'est bon. Alors, oui, on avait croisé un homme, c'était, ah oui, c'était Jaguar Ravière, qui nous a fait tomber là, et donc on va aller, je ne sais pas, droite ou gauche. Droite. Mec courageux. Ah bah tiens, des ennemis. Comment on tape déjà? Ça fait 2 jours que j'ai pas joué. On s'est carré. Ouh la vache. Tiens, prends ça dans les dents. Te sauve pas. Pourquoi tu te sauves comme ça? Voilà, viens. Voilà. Reviens, ça veut dire reviens. je peux pas. Non, vers le bas. Oula, des pics rouges. Des pics rouges, c'est la mort. Il saute. Ouais, ouf. Alors. Eh ben on va tenter un saut. Voilà. Par là je le sens moyen. Pour tout vous dire. On va tenter. Ah ouais. Toi, qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux quelque chose? Compétence. Pourquoi j'ai toutes mes vies alors que je me fais toucher? Ah, je ne comprends pas. Non, de toute façon, j'ai pas de thunes. On a déjà vu ça la dernière fois. J'ai pas de thunes. Bah, je vais remonter, hein. Écoutez. Je pense que le meilleur des chemins. Là, c'est bouché. Eh ben, on va sauter sur les plateformes. Moi qui voulais pas être courageux. Voilà. Moi et la plateforme, vous savez ce que c'est. Bah vous le savez peut-être pas en fait. Je suis pas le roi de la plateforme. Ah un coffre. Ça fait quoi ça? Alors. Un bout de tête de mort. Ok, super. Et il n'y a rien. Là, il y a un petit trou au-dessus, mais... Je suis peut-être un peu trop costaud pour passer là-dedans. Peut-être plus tard, peut-être qu'il aurait une capacité de maigrir. Capacité minceur. Allez, plateforme, reviens. Voilà, donc c'est pas par là. Je sais pas du tout où il faut que j'aille. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Allez, saute. Des petites cabrioles. À moins que ça. Non, j'avais déjà essayé, je crois. Tiens, si tu me parles, toi, tu dis toujours là. Ouais, je fais que passer, c'est toujours pareil. Aux compétences? Non. C'est les autres, ces costumes que je regarde pas. Pourquoi là, c'est bouché? Non, bon, on va réessayer les pics. Excusez-moi, hein, je tourne en rond. Bien sûr, bien sûr. Un petit saut, ça passe. Ah ouais, ok. Un poulet géant. Oui. Et mec utilise L2 ou R pour passer entre les pics, c'est trop la classe. D'accord. Si je fais comme ça, ok, il passe tout seul. Ok. Là, il va falloir que je passe en plein saut. Ok. Et monte là-haut. Pourquoi ça brille tous ces trucs? Ouais, ça va être plus tard, hein. On en est au début, vous savez. Hop, hop, monte. Putain, j'avais pas vu. Je suis aveugle. Gilbert Montagnier joue-t-il aux jeux vidéo? La réponse est oui. C'est moi, je vais voulu utiliser un pseudo. Chope-le. Voilà, sur l'autre derrière. Hop, je lui massacre un peu sa petite tronche. Voilà. Oula.
Ils sont chiants avec leurs os. Je me souviens de vous, je ressaute dedans, bien sûr. Tant qu'à faire. Ah, je dévite là. Oula. Oula, oula, oula. Oh bah bien, il m'a pas touché. Allez. Hop, que j'arrive à m'en débarrasser. Je l'ai raté. Non, je l'ai touché. Je vais aller dézinguer tout de suite. Voilà. Et toi aussi. Bon, ça va. On s'est pas trop mal sorti, je pense. Ah, une... Merde, j'ai plus le nom. Pignata. Oui, Pignata. Oui. Un truc comme ça. Ouais, les blocs de couleurs et... Histoire de capacité. On va voir combien j'ai de maintenant. Costume, compétence, 750, 500. Donne un morceau de cœur, 3 morceaux de cœur, donne un bonus de vie. Ouais. Et ben on va passer. Ah, passe pas, quand il y en a 3. Attendez. On va peut-être faire une roulade. Voilà. Que le saut. Ouais, faut que je saute. Y'a pas moyen de voir ce qu'il y a en bas. Si on reste longtemps en bas. Ouh. Adore. Peut-être la fin de la vidéo. On va prendre un peu d'élan. Mystère de ce qu'il y a en dessous. Je pense, hein, parce que par là c'est tout bouché. Ils m'ont appris que la capacité de passer à travers ça, donc ouais, par logique. Allez, on se lance. Ah ouais, c'est bon. J'ai eu peur. Alors, petite maison. Oh, un coffre. Il est pas là, le propriétaire. Le propriétaire de la maison n'est pas là. Salut, toi. Ça... Passe au travers, on casse. On casse. Ah, tu parles toi? Qu'est-ce que tu as démoli ma statue? Hamba. Hi. Il n'en reste plus que 15. J'ai peur, on connaît d'abord, on réfléchit après. Regarde la vidéo, tu verras que arrière. Ok. Entraîneur de combat extraordinaire et maître des punitions bizarres. C'est quoi cette animation où tu remontes ton slip? Regarde. Pardon. Oh merde. Je comprends un peu. Oh c'est trop bon ça. C'est quoi cette tortue géniale? Avant que nous commencions, dis-moi, est-ce que ta mère vit seule? Ah ouais, t'es vraiment tortue géniale. Ouais bah t'es chèvre génial. Ou comment c'était dans le Roi Lion aussi là, Rafiki. C'est pas ça son nom. Si il me semble. Comment j'ai eu ce masque? Ah bah je te raconte. Pour ça. La fidèle possédante. Eh ouais. Et j'ai quoi dans la vielle? Mon ancien DC. C'est ton ancien disciple. Ok, bon on va aller lui péter la gueule si tu veux tout savoir. Voilà, bah, tu touches à ma mère, je vais te mettre une droite. La technique de Luchador. Alors la statue que tu viens de briser recelait un pouvoir magique. Le coup du coq. Ah, ça va peut-être permettre de péter... Eh bah c'est ce que j'allais dire, de briser les blocs rouges. Tu vas te fatiguer. D'accord. Ok, donc c'était... Et j'ai une barre. Ah, j'aurais peut-être pas dû... Ah, elle se recharge. Ok. On se met là. D'accord. Ok. Quand il est tout rouge, il est fatigué. Cool. Ouais mais... Ah bah je suis obligé de faire le saut comme ça pour passer, ok. Ah, par contre le bleu tu m'as pas appris à péter. Donc on redescend là, où est-ce qu'il y avait d'autres blocs rouges? Ah bah là. Juste là devant moi. Voilà.
Et on monte. Allez, on monte. Allez, on monte. Oula. Oula. Comment je monte déjà? Ah bah, un coup. Bah, monte. Voilà. Alors, je passe, je tourne. Je L2 rond en haut. Ok. J'ai plus 20 ans. Si, je joue encore dans la vingtaine, mais je suis plus proche des 30 que de la vingtaine. Donc mes réflexes ont diminué avec le temps. Allez, c'est parti. Ah bah bien. Ok, il me respawn là. Ouf, j'ai cru que ça allait être la mort. Donc ça compte pas comme une mort, on est d'accord. Hein, ma barre de points de vie n'a pas bougé. Alors c'était peut-être le coup d'essai. Ouais, mais je suis passé là. Oh, je suis passé. Voilà. Oh putain la vache, trois coups pour faire ça. Quand je vous dis la plateforme c'est pas mon truc. Eh ben on continue. Hein. Ah d'accord, faut pas que je saute. Faut que je me laisse tomber. Et que je. Bah oui mais si tu le fais après que j'ai dit n'importe quoi. On attend que ça recharge. Voilà. Bah alors. Je le fais, il tape que quand il est au sol. Pourquoi tu fais ça toi, imbécile? Si je fais comme ça. Non, ça marche pas. Et en sautant? Bah si ça marche là. Pourquoi t'as pas voulu la première fois? Oh, excusez-moi chers amis, excusez-moi, je suis un boulet. Voilà, ça va tout seul. Ah bah toi, tu vas t'en prendre plein la gueule parce que je joue comme une buse alors ton pote il doit morfler. Voilà. Il y a des sous-sous dans ma poche. Des sous-sous. On va monter là-haut. Non. Pour envoyer des ennemis en l'air et expliquer un combo. C'est quoi ça? Okay. Oh là. J'aime pas ta gueule. Ok. Ok. Ah, il y en a deux. Mais ouais, je vais pas les taper là. Voilà, rentre dedans. Tiens, toi, prends ça dans les dents. Je le relance sur mon pote, ça te fait sortir, ça te fait sortir. Hop. Et voilà. Ah mince, plus une plante et les mecs qui lancent les os. Bon, vous avez envie de me faire galérer. Ah, je l'ai raté. Je vais esquiver l'autre. Attends, lance ton os, toi aussi. Toi tu vas morfler. Voilà. Je préfère vous avoir tous les deux en bas, comme ça je sais quand éviter. Hop, évite la plante, là il va lancer parce que j'ai vu son coup, ok. Cette couleur verte avant qu'il lance son. Tiens, t'es pas morte encore. Voilà. Et on fait tout péter. Cool. Bon. Où allons-nous? Ah, je vois une plante. Allez, tiens, viens morfler. Puis il y en a une en bas. Attends, hop, et encore des os. Cool. Attends, évite ça. Ok, quand j'esquive comme ça, même si les os ils sont sur mon. Voilà. Hop. Tiens, prends ça dans les dents, ça passe. On va monter là. Attends, j'ai vu un truc. Ah mais là je peux pas y aller. C'est juste une pancarte pour indiquer qu'il y a quelque chose. Peut-être plus tard non. Ok. Bah, je compte esquiver. Alors on se met bien au bout, tout s'est chopé. Et là on joue au bowling. Et bowling réussi. Voilà. Ah merde, encore. Attends, L2. Voilà. Oula. Oh mais là c'est juste pour kiff la timesse. Là si je réussis à ce point c'est super simple à faire. J'ai été surpris par l'apparition de chèvre géniale. Santa Lucita. Ok bah allons-y. Petit temps de chargement. Une nouvelle ville. Et l'histoire continue. Ah, des squelettes viennent de traverser la ville en emportant une fille avec eux. J'ai super mal lu, je suis désolé. Il est emmené vers le temple qui se trouve à l'ouest.
se Dias de Los Muertos. Dias de Los Muertos, les morts sont vraiment revenus. Je vais me cacher dans la forêt, c'est un endroit sûr, n'est-ce pas? Ouais. Eh oui! C'est bien, comme toi, ne sois pas gêné, tu es un héros, c'est ton boulot. Eh bah. Ouais, ouais, c'est mon boulot. Vers là-haut. Ouais, les pinatas. Tiens. Attends, je vais parler au mec. Je me rappelle ma jeunesse. Ah, t'as bien vieilli. On va descendre. Hop. Super Hermanos. Ah, ils sont cons. J'adore. C'est Mario et Luigi, hein, si... Ah, je pense que vous avez reconnu. Sur l'affiche. Non, j'ai la mine. Non, mais la mine, je m'en fous. C'est en haut qu'il faut que j'aille en plus. Voilà. Hop. Bonjour, madame. Ce horrible bande d'escalators a traversé la ville en apportant la pauvre fille avec eux. Parle. Ah non, c'est des quêtes annexes. Temple c'était voilà vers là. Ah, elle est immense cette ville en fait. Non bah on va continuer par là. Tonight. Oh là là. Une poule géante. Oui, le grand, le noble, le bon, le sage, des styles de tueur de serpents. Combo chicken. Entrer dans le temple. Ok, il est où? Yes! Je suis pas très loin là. Non, c'est pas celle-là, c'est après. Oula, ils étaient tous balèzes ici. Je suis le grand Combo Chicken, bienvenue dans mon bonjour. Eh ben, merci de nous accueillir. Ouais. Commençons par le combo de base à 3 coups. Ah! Ouais, j'ai cru que tu... Salut, Poncho. Ok, vas-y. Voilà, va falloir que je te... Ok. Ah, non, c'est juste... Exécutant en l'air. Prime de risque. Ok, faut que je touche. Vas-y, ressaute. Ah, je suis trop loin. Ressaute. Voilà. Appuie sur un F pour exécuter l'ascenseur du Luchador. Ok. L'ascenseur du Luchador est plus coque dans un même combo dévastateur. Ouh là 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 là. Ok. Alors. Ah, je l'ai fait. Ok. Vous le verrez pas souvent dans les vidéos. Je tiens à vous le dire. Eh mince, et 19 minutes 30. Bientôt la fin. À voler. Ouais. Et ben on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Et ben
Merci à vous si vous m'avez suivi jusque-là. Je vous dis à très bientôt. Et on continuera donc pour un épisode 3 de Guacamelle. Allez, ciao à tous. Bye bye.